Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous, ici c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Et bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien et que ça se passe bien pour vous. Fin de semaine, hein, vous avez vu, pas de montre, donc bah, je vais avoir le temps de faire mes 2-3 petites vidéos. Comment vont-elles s'articuler aujourd'hui ces vidéos? Bah voilà, toujours en lien, hein. Plus ou moins, hein, vous connaissez la guinguette en lien avec l'actualité. Là, manifestement, hein, suite à la garde à vue de Éric Vérague, je me suis dit, et comme j'ai entendu aussi Amandine Roy l'évoquer sur sa chaîne, je me suis dit, effectivement, manifestement, hein, les chiens de chasse, hein, ou les loups sont lancés, et ils les ont lancés du coup pas que sur Vérague et manifestement sur Natacha et Amandine. Donc je me suis dit, allons voir ce que tout ça, ça peut cacher, et voir si c'est de toujours la même histoire, hein, si on crie au loup, et est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose. Donc on va aller un petit peu voir l'impact, hein, d'Éric Vérague sur Natacha Ray et Amandine Roy. Ensuite, j'ai décidé aussi de faire une petite vidéo qui, alors celle-ci, elle m'émoustille particulièrement. Pourquoi? Parce que sur le journal 20 minutes, j'ai vu, et on suit, excusez hein, pour les commentaires, la bouche qui se mêle un petit peu comme ça. J'ai vu aussi sur le 20 minutes, et suite à un commentaire de l'un de vous qui me disait, mais lors de tes vidéos, ce serait peut-être, et qu'on entendait tous ces avions qui passaient bas, hein, et que moi j'aimais pas du tout, le ressenti que j'en avais c'était enfin j'aimais pas. Et du coup cette personne m'a envoyé un lien, notamment sur cette opération qui s'appelle, je l'ai noté, Manticore. Cette opération Manticore. Et moi quand j'ai lu ce mot Manticore, direct j'ai vu Macron. Macron parce que si vous changez un petit peu les lettres de Manticore, vous allez pouvoir recréer bien entendu le Macron en question. Hein. Alors je sais pas comment c'est, des anagrammes, hein, ça s'appelle certainement comme ça. Moi c'était pas mon kiff quand j'étais petite, ça. Et donc Manticore, ça peut faire aussi Macronite en anagramme. Ça peut écrire Macron et derrière il y a T-I-E qui reste. Et ça m'a vachement interpellée. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches avec mon secrétaire de Marie. Et TIE veut dire associé. Donc, est-ce que tout ça, hein, ne serait pas monté, hein, en associé avec, comment dire, l'astico perruqué? Parce que là, sur ce coup-là, ça sent quand même la macronite à plein nez. Donc, on va s'orienter là-dessus. Hein. C'est très intéressant que de voir que Manticore, on peut écrire Macronite, on peut écrire Macron et It, mélangé, et It, ça veut dire associé, donc associé à Macron. Bon, hein, on verra si je me trompe. L'erreur est humaine, bien entendu. Mais ça mérite d'être creusé un petit peu tout ça. Ensuite, et pour finir hein, ce petit tour de vidéo pour ce vendredi, je finirai par quoi? Sur, eh ben, l'intelligence service. Ce que la France fait de mieux au niveau intelligence, au niveau pertinence, au niveau... Mais alors, on boit ses paroles, hein, à cette femme qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher. Runacher. Bon, moi, tout est dit, hein, dans le panier, c'est à chier. Bon, voilà. Hein, encore une fois, si ma vidéo saute, mon mari va créer la newsletter, inscrivez-vous, mettez votre adresse mail, vous aurez a lot d'informations et des petits trucs vachement plus sympas que par le biais de YouTube. Dac, et puis voilà, je pense avoir tout dit. Non, pas nécessairement, parce que je souhaite absolument faire une petite dédicace, deux dédicaces. Je souhaite faire un grand coucou et un grand merci. Regardez ce beau petit tapis. Avec des cocottes, avec les sacs qui vont avec. Regardez, je vous mens pas. J'ai même tout. Hop là, regardez, j'ai même tout pour mettre mes cartes. Ça, ce sont les cartes où je garde pas les emballages. Mais Valérie, tu es incroyable. Quel talent. Mais quel talent. À toi, je te dis un énorme merci. Et vraiment, vraiment, je vous invite à aller sur sa chaîne Insta. Les liens sont en description. Et allez voir tout ce qu'elle fait. Il y a vraiment des ensembles pour les nouveau-nés. Mais c'est beau. C'est fait avec beaucoup de délicatesse. À la française, comme je dis. À la française. Et on ne peut pas parler de tous ces talents à la française aujourd'hui. Surtout dans les temps qui courent. Donc vraiment, messieurs, dames, allez sur son site. Hein, allez sur sa page Insta. Regardez la classe. La classe avec mes cocottes. En plus, c'est sympa parce que vous me connaissez maintenant, vous savez cet attachement que j'ai pour mes animaux.
C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et puis, je veux également, mais ça sera sur une prochaine vidéo où je vous parlerai comment dire, d'une toute autre personne, hein, d'une toute autre personne, je crois, qui s'appelle également Valérie. C'est la Saint-Valérie aujourd'hui, hein, c'est franchement. Et qui a ouvert sa propre agence matrimoniale avec comment dire, avec un montant pour une durée d'un an, défiant toute concurrence. Je vous assure, c'est une très belle personne. 660 euros par an, sans rire, ça fait 50 euros par mois. Si ça peut permettre à certaines personnes de ne plus être seules, mais go 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 quoi, parce qu'on n'est pas fait pour être seul de toute façon. Donc, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, de ces informations, mais moi, ça me fait plaisir de mettre en avant ce type de personnes. Ces deux Valérie sont juste incroyables, messieurs, dames, vraiment, vraiment, regardez, regardez cette délicatesse. Moi, j'adore, 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 j'adore. D'accord? Bah, tout de suite, maintenant, du coup, hein, on va prendre les mots et puis on prendra aussi quelques petits charmes et on va attaquer. Tout est à tous. Bah directement, on va voir suite à cette affaire de Eric Verhaegh qui a déclenché un petit peu les foudres, hein, de l'asticote, hein, perruqué. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est de la propa comme d'habitude, hein, pour se dire tiens, hop, on va parler du cas Natacha Ray. Et tout simplement, peut-être cherche-t-il ou chercherait-il à employer le conditionnel à détourner notre attention? Why not? Prenons les mots, fouillons, hop hop hop, nous y allons. Nous y allons. Alors j'ai d'autres dédicaces à faire, messieurs, dames, mais ce sera la prochaine vidéo. Parce que sinon c'est trop long, je vais vous saouler, bien, il y aura encore un laïus de 15 minutes et c'est insupportable pour ceux qui ne sont pas concernés. Allez, on y va. Donc spéciale dédicace à Manuel Aton, bien entendu, hein, à toutes ces deux Valérie. Les 11 de cœur, les 11 de cœur, je ne vous oublie pas. Mais ce sera une plus sympa vidéo pour la prochaine fois, la prochaine vidéo. Une plus sympa vidéo, une plus sympa dédicace. On est parti. Allez. Qu'en est-il, hein, pour cette nouvelle attaque contre Natacha et Monsieur Verhaegh, hein, Allez, on est parti. Ça les a réveillés un petit peu, cette histoire. Bon, union. Ok. Vous avez vu, j'ai changé de sac. Ben oui, parce que je suis comme ça. Et j'aime les cocottes. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que ça a bien pu susciter chez eux, là? Hein? Allez. Qu'en est-il de ce rebondissement? Ok. Allez, on commence par l'union, le premier mot. La perte. Bon, bon, là, il va y avoir plusieurs traductions, bien entendu, comme d'habitude. Calme. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peine mouche, ça encore. Et voilà. Hein, oh, voilà. Ok, c'est. C'est comme le soufflé. Hein. Ça monte très haut, puis ça redescend, mais tellement, et ça devient plat, plat, plat après. Bon. Voilà. Ensuite, le passé. Ok. La déception. Croire. Je descends un peu les mots, peut-être que vous ne les voyez pas, du coup c'est mieux comme ça parce que j'ai juste un petit pli ici. Le calme. L'innocence. L'innocence. Il y a vraiment, hein, il y a la ruse. Oh, mais la méfiance. Mais comment donc? Mais comment donc? Donc écoutez, il va y avoir deux traductions, hein, parce je vais tenter de traduire bah, la position de ce gouve, hein, qui ment fatalement avec la petite moumoute mèche au vent. Vous avez vu comme il s'est fait insulter, hein, par The Event, là, je sais pas quoi. Ouais, moi ça m'a pas plus amusé que ça, parce que ce sont eux, hein, qui se, quelque part, l'asticot a pris la parole avec sa jolie petite chemise Mao. Hein, ça... Oh mon Dieu, quelle horreur! Ah, je peux plus! Moi, je vous jure, je peux plus, cet homme-là, je peux même plus l'entendre, même plus regarder, plus écouter. Mais bon, hein, c'est le boulot, hein, faut regarder quand même, on va dire, fait partie du game, en tout cas du mien. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr qu'il s'est fait insulter, c'est pas grave, lui, il avait quelque chose à transmettre. Et The Event fait quelque part partie
hein, de ces projets. Hein. C'est des gens qui sont dedans, qui ne savent pas du tout que ce sont eux qui sont utilisés. Je vous invite d'ailleurs à cet effet, afin de mieux comprendre, de vous rendre sur la chaîne des décodeurs. Hein. C'était mardi soir, il l'expliquait très très bien. Et moi, c'est ce que je disais justement à mon mari. Je disais, s'il prend la parole, ce n'est pas pour rien, même quitte à se faire insulter. Maintenant, il est plus à ça près. Hein. Il est plus à ça près. Écoutez, de toute façon, plus il se fait insulter, plus il a de cheveux, celui-là aussi. Donc voilà. En tout cas, nous sommes partis ici. Union, perte, calme. Si on se met au niveau du Gouv, hein, on va l'appeler de l'asticot, c'est sûr qu'il a beau s'associer avec plusieurs personnes. De toute façon, on a la perte à côté, hein, et ça va pas faire un bruit incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est comme le souffler, selon moi. Hein. Parce que là, je me mets à la place du gouffre qui lance l'action. Et ensuite, quelque part, je traduirai ça pour Natacha Ray, puisque c'est d'elle dont je parle avec Amandine Roy, mais bon, de plus particulièrement Natacha. Union, perte, calme, ok. Passé, déception, croire. Bah, tu m'étonnes, hein. Bon, là, comme par le passé, de toute façon, il pousse la population, hein, à faire croire des choses. Il pousse cette population à croire, à être méfiant, à se dire « Ouh là là, ces personnes sont rusées, nanana, nanana. » Mais là, carrément ici, qu'il s'agit donc du lasticot, bon, il peut croire tout ce qu'il veut, pépère, hein, comme par le passé, il va être vraiment déçu, parce que là, il y a la perte, hein. Il y a une grosse déception par rapport à ce qu'ils mettent en place, il y a la perte, bon, ils sont rusés, oh, bah, on sait à qui on a affaire quand même, mais il n'est pas dans notre chef pour rien quand même, parce que c'est lui qui détient toute la vérité, t'as vu Brigitte? Je t'aime. Donc, vous voyez, par rapport à cette innocence, la déception et le calme, là, ça veut dire que par rapport à son innocence, il va être très, très déçu. Et du coup, il va pas pouvoir... En fait, ils ne peuvent pas prouver grand-chose. Là, ici, concrètement, ils ne peuvent rien prouver. Et du coup, cette situation-là, il va y avoir un calme plat face à tout ça. Pour moi, ça m'évoque qu'on va pas en entendre beaucoup parler. En fait, là, c'est un coup de... Et... Voilà, hein. Donc, de toute façon, on dit que par rapport à son innocence, donc, non, ce n'est pas vrai. Je suis offusquée. Méfions-nous, hein. La ruse et la méfiance, quand même. Vous voyez ce que je dis par rapport à l'innocence? On n'est pas, franchement, sur une histoire où Pépère, il est... Ou mes mères, hein. Ou la super Wonder Woman... blonde, franchement, par rapport à cette innocence, la ruse, la méfiance, ouais, ouais, bien entendu. Cette union du passé, de l'innocence, ça peut représenter aussi l'asticot. Hein. Tu m'étonnes, il était jeune, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il était jeune, hein, ce petit... Vous sentez bien au travers des mots que ça sent un petit peu. Hein. Ça sent pas... Ça, c'est pas terrible. Ça sent pas propre. Ça sent pas propre. Là, c'est ouf. N'empêche que par le passé, cette union... Alors qu'il était jeune, oui, effectivement. Mais il y a eu cette perte. Il a perdu quelque chose. Beaucoup de déception à cause de cette ruse. Mais n'empêche que, pour moi, ça a été franchement... C'est un coup d'épée dans l'eau, quelque part. Calme, croire, méfiance, bon. Voilà. Vous voyez, de toute façon, par rapport à cette union... Hein, l'union, c'est-à-dire l'asticot magique et l'asticote blonde... de la tête, il y a beaucoup de déception, de toute façon, il y a beaucoup de méfiance, hein. J'ai envie de vous dire, tout ça, l'innocence, déception, calme, au milieu, quand on est déçu, c'est qu'il y a quoi? Quand on est sûr de soi, on n'est pas déçu, hein, quand on est sûr de soi. Ça, c'est du côté du Gouv, du côté de Madame Ray. Union, passé, innocence, bah là carrément, hein, si je me mets à la place de Natacha, on a quand même le mot innocence qui passe ici, d'accord? La déception, peut-être sera-t-elle déçue, pourquoi? Parce que bah, ça va pas aller très très loin cette histoire. Alors déçue, pourquoi? Parce que c'est peut-être justement pour elle l'occasion, enfin, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter toute... ce qu'elle a en main, toutes ses preuves, tout ce qu'elle possède. Et donc, peut-être que face à ça, elle va être très déçue, parce que finalement, ça va retomber comme un soufflet, hein, vous voyez? Ça, c'est sûr. Ça, on peut le lire comme ça. Hein. La perte, la déception, la ruse, est-ce que ça, c'est ce que Madame Ray ressent au vu de cette histoire? Bon,
À suivre, nous allons prendre les cartes, nous allons voir tout ça. Mais par contre, il va falloir que j'oriente très correctement ma question. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, le passé, déception, croire. Le passé, c'est le passé, j'ai envie de dire. le maître mot, excusez-moi, celui du milieu, c'est déception. Donc, attention aussi, peut-être, pour Madame Natacha Red, de certaines unions, faut être méfiant pour certaines personnes. Hein, donc, de toute façon, c'est tellement médiatique et ça le sera tellement. Pas par rapport à ce qu'ils mettent en place, là. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est du zèf, c'est du vent. Pour moi, là, au vu des mots, c'est du vent. En tout cas, cette innocence concernant... Madame Ray, oui, bien entendu. Hein? Alors là, bon. On va laisser ces mots ici. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de regarder au travers de tout ça, c'est est-ce que cette action, hein, manifestement, puisqu'ils vont attenter une action, bah c'est du... On va voir ce que ça nous dit. Est-ce que c'est du vent? Est-ce que il va se passer réellement quelque chose? Est-ce que c'est de l'endormissement? Ou de l'enfumage, ou voilà. Quelques charmes hein, sur le podium. Alors, on va dire, est-ce que réellement, il va se passer quelque chose? Est-ce que réellement, ou bien c'est un effet d'annonce? Est-ce qu'il va se passer quelque chose concernant cette histoire? Nous sommes face à un effet d'annonce. Bon. Voilà, ils veulent pas perdre la face, hein. C'est ça que ça m'évoque. Hein. Alors je ne sais pas avec cette nouvelle VVV, avec ce nouveau petit tapis merveilleux, si vous voyez les charmes. Bon, en tout cas, ils ne veulent absolument pas perdre la face, hein. Ça c'est sûr. Mais d'ici le printemps, là c'est l'évolution, hein. C'est l'évolution et ça c'est la fleur. Bah écoutez, moi, là c'est comme si eux se sentent obligés de répondre à une attaque, hein. Ils ne veulent pas perdre la face, tout simplement. C'est pour ça que tu as été si vite. C'est pour ça que ça a été si vite par rapport à M. Vérag. Et de cause à effet, bim, effet domino, ça tombe sur Natacha Ray. Vous voyez bon, il y a une notion de printemps. Que va-t-il se passer au printemps? Là, on est là-dessus. Hein. Ils ne veulent pas perdre la face, hein, tout simplement. Ouais. Vous voyez, j'ai le printemps, ça va être étouffé, quoi. Ça va rester froid, ce truc. Le calme, le froid, c'est... On va vite passer à autre chose, hein. Ils vont vite passer à autre chose, vous voyez. C'est comme si on allait mettre un petit coup de balai. Pour moi, c'est qu'un effet d'annonce. Selon mes charmes, pour l'instant, c'est qu'un effet d'annonce, quoi. C'est réellement ça, parce que ça touche à la féminité de... la cicotte. Donc, c'est pas très clair, leur... En tout cas... Autant vous dire que là, au vu des mots, au vu des breloques, je sais même pas s'ils sont... c'est comme s'ils font un truc parce qu'il faut faire un truc, mais quelque part... voilà quoi. Hein. Ils font parce qu'il faut faire. On veut pas perdre la face, c'est important. Donc, je vais prendre quoi, messieurs, dames? Je vais prendre quoi, messieurs, dames? Voilà. Allez. Qu'en est-il de cette mise, de cette procédure hein, qu'ils souhaitent mettre en place, qu'ils souhaiteraient mettre en place? Qu'en est-il? Est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Parce que jusqu'à maintenant, Natacha Ray, elle est traînée dans la boue. Mais concrètement, il y a quoi en face? Bah, pas grand-chose, hein, hormis le battage médiatique hein, qui est là, payé par l'asticot magique. Bah, il se passe pas grand-chose, concrètement. On n'a pas l'impression que cette histoire avance, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je vous garantis, si on me disait « Bah, toi, tu n'es pas une femme, t'as une grosse paire de burnes », je vous montre, hein, je vous le montre. Moi, je vous dis « Ah ouais, les gars, bon, bah écoutez, on va lever la culotte 2 minutes, hein, même si je m'humilie. En tout cas, je... faut quand même pas pousser l'histoire. Voyez l'histoire, parce que ça va très très vite à prouver que bah, c'est pas la vérité. » Hein, ça va être très vite si au moins on me dit tu es un mec, je te promets très très vite je vais te montrer que j'en suis pas une. Par contre tu peux te prendre une beigne et ça sera de nature à être un mec, oui par exemple. Bon, qu'en est-il réellement de cette action manifestement? Pff, ils n'ont aucun élément, ils n'ont rien. Je vous le disais, hein, ça sent un petit peu le côté où on veut attirer l'attention sur un autre sujet. Ça sent ça un peu.
ça sent un petit peu. Hein, puis on veut aussi faire peur aux gens qui s'intéresseraient un petit peu trop à cette affaire. Quand on vous dit attention, hein, c'est ça en fait, hein, c'est juste pour faire peur en fait. Hein, selon moi, c'est réellement pour dire à la population attention, vous touchez le sujet de mon asticote, tout de blonde, chevelue, là vous êtes dans la merde. C'est... Vous voyez, c'est un petit peu comme tout le reste, hein, c'est pour garder cette, ce climat de peur. Hein. On se dit, attention, on touche pas là où il y a la fausse lumière, hein, sinon c'est danger. Bon. En tout cas, il y a des choses qui s'écroulent ici. Hein. Ça sent pas bon d'être un asticot aujourd'hui, hein. Bah, c'est pour ça qu'ils se cachent sous la terre, les asticots. Pour pas se faire bouffer, ils se cachent. Là, on touche pas. Ouh là là. Donc, qu'en est-il hein, réellement de cette... je trouve pas le mot de cette annonce, de cette nouvelle procédure. On va dire, est-ce que c'est réellement une nouvelle procédure ou bien c'est encore un petit effet de... où il se passe pas grand-chose derrière. Sommes-nous face à une nouvelle procédure émanant des hautes instances? Ils sont perdus les hautes instances là, ils savent pas du tout. Droite, gauche, gauche, droite. Ouais, bah, le seul truc qui nous reste c'est de leur faire un petit peu peur. Hein. On s'attaque pas. Hein. On s'attaque pas au procès de l'État. Je déteste qu'on s'attaque à Mamoun. Ça se supporte pas. Ça se peut pas supporter. Donc ouais, là pour l'instant on est un petit peu là-dessus quoi. On fait peur. Hein. On fait peur. Je continue. Hein. Je continue. Je voudrais pas traduire de manière trop rapide. Bon, Natacha, si vous m'écoutez, là, c'est ça, c'est assez sympa parce qu'ils sont complètement enchaînés dans leur merdier. Hein. Ils sont totalement enchaînés dans leur merdier. Et en plus, leur bien-être, hein, leur bien-être est en danger. Donc, réellement, selon moi, je ne suis pas Dieu. Ce n'est qu'un art divinatoire. En aucun cas, je détiens la vérité. Je vous traduis des cartes. Voilà, voilà. À l'instar des médecins, vous allez voir en leur disant j'ai mal au dos, j'ai mal au foie, j'ai mal à la rate, à lui de d'établir son propre diagnostic. C'est ce que je fais un peu avec les cartes. Et l'erreur est humaine, évidemment. Évidemment. Bon, voilà. C'était le moment gênant, comme d'habitude. Ouh là, regardez donc. Gardez donc comme le le toit de l'Élysée prend la flotte, monsieur dame. On voit les poutres. À l'instar de Manu, il y a des trous et on remet des choses dessus. Ça fait de la, l'asticote magique, hein. Bon, bon, bon et bon. On est parti. Donc, c'est vrai actuellement que cet effet d'annonce, selon moi, ou en tout cas cette nouvelle procédure hein, qui se fait jour, hein, au dire de, d'Amandine Roy, hein, si je me souviens bien dans sa chaîne, arrêtez-moi si je me trompe, mais peut-être puis, je le peux, évidemment. Mais au dire de ce qu'elle disait dans, dans sa chaîne, vont-ils lancer une procédure? J'ai bien l'impression que moi, c'est qu'un effet. Au vu de ce tirage pour l'instant, c'est plus un truc comme le soufflet. C'est « Oups !» et « Pfff !» Parce que là, si ça, ça représente l'État, hein, ça représente aussi là où ils vivent, l'Élyséum, hein, comme j'ai envie de dire, on va détourner un petit peu quand même. Même si j'ai une grande bouche, je suis bien d'accord, mais on va détourner un petit peu. Bon, bah, vous voyez cette fausse lumière, hein, le phare est à l'envers, hein, la lumière est à l'envers, et je vous garantis que faire la lumière sur ce sujet, danger. Là, c'est plus pour faire peur aux gens, hein. Selon moi, c'est vraiment pour dire, bon, alors maintenant, il y en a marre, hein. Brigitte, elle a du poil aux pattes, mais dans les marques, vous l'attaquez. C'est un peu de ça, hein. C'est un petit peu ça. Ils veulent rester dans leur bien-être, hein. Ils veulent vraiment, vraiment. Mais il y a beaucoup de voilage de face, ça se dit pas, mais peu importe. Vous voyez ici que tout se casse la gueule. Hein. Là, on, si on part de l'Elysée, là, pff, oh, la fausse lumière. La lumière sera faite, bien entendu. À un moment donné, la lumière sera faite, la carte est à l'envers. Mais ils essayent tout simplement de sauver la face, de sauver les meubles. Hein. On s'accroche au bien-être, hein. On tente. autant que... se peut de montrer que franchement, je suis votre Z des prosets, Z des prosets,
Et je suis là que pour vous, que pour votre bien-être. Bah, pas totalement quand même, hein, pas totalement. Parce qu'alors là, le labyrinthe, c'est franchement, ils sont dans une situation, un labyrinthe, ça évoque quoi? Il y a plein de chemins dans tous les sens, il y a plein de choses à droite, à gauche. On ne sait plus du tout par où commencer. D'ailleurs, on est bien, bien enchaîné à ces patients en plus, hein. C'est un vrai merdier, c'est un vrai labyrinthe, d'accord? Même si jusqu'à maintenant il se sentait protégé hein, par rapport à ce petit nid, ce petit truc bien cocon, bien douillet qu'ils avaient créé, autant vous dire que la déchéance, elle est un petit peu à tous les niveaux. Ici, 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 ici. Bon, là, heureusement, quelque part, qu'ils ont cette protection. Mais j'ai pas de notion de, vous voyez, d'une, de justice, deux, de courrier, trois, de couperet. Pour l'instant, on a vraiment les fouettes parce que ça touche vraiment, vraiment à un petit truc du palais, encore une fois. Hein, regardez, ici, ici. Et on est enchaîné, hein, avec beaucoup de passion. Enchaîné à quoi? Nous allons recouvrir tout cela. Je vais mettre là, ça s'est tourné, je n'ai pas vu. Et ben voilà. Ah oui, mais lui, quoi qu'il en soit, hein, ils veulent vraiment que. Et puis on les suit avec beaucoup de fidélité. Hein, on ne. La corruption à tous les étages, hein, d'accord? Je vais traduire correctement après, mais alors là, on est face à ça. La corruption à tous les étages. Sorry, excusez-moi, je vais prendre une petite goutte d'eau. Enfin non, c'est du sirop, fruit de la passion, hein, à la vôtre. Et encore une fois, toutes mes confuses, j'ai encore, pas rêvé d'elle, oublié le micro. Voilà, le son est rétabli. Allez, on y va, je vais recouvrir donc les cartes, comme je vous le disais. La justice est là, d'accord? La justice est sortie. Donc méfions-nous quand même. Hein. Méfions-nous de ces gens-là quand même. Hein. À un moment donné, ça va peut-être leur effleurer les neurones, hein, si tant est qu'il y en ait encore, qu'ils ne soient pas cramés hein, à cause du sucre en poudre. Mais là. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Je vous jure, je ne sais pas. Je ne sais pas si la sticotte, c'est comme si c'était mais à la vie, à la mort. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je te suis à la vie, à la mort. C'est un mais c'est terrible, hein. C'est terrible, 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 hein. Bon, alors la déchéance ici, ouais. Regardez-moi ça. La déchéance du palais, de toute façon, la pie, ça vole des choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, on veut vraiment pas que certaines informations soient divulguées. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, vraiment, au niveau du palais, on refuse réellement que certaines informations soient divulguées. Hein, parce que ça, franchement, éteindre cette lumière, éteindre ces informations, certaines personnes sont très, 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 très fidèles à ce pouvoir en place. Et ben, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils vont faire quoi? Ben, oui, chef, oh oui, mon grand seigneur, oh toi, bien entendu, tu as raison, nous allons être méchants avec ces personnes. Enfin, on est là-dedans, quoi, hein, c'est la monarchie absolue, là, là, oui, bien entendu. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je suis le chef, je suis le gouvernant. Ceux qui s'attaqueront à ma pupusse, que j'aime de tout mon cœur, ou que j'ai aimé, ou que peu importe, je suis enchaînée, peu importe, se mettre en danger, c'est plus pour faire peur. Hein. Pour moi, c'est franchement ça. Hein. C'est vraiment, vraiment pour faire peur. Hein. Ils y mettent beaucoup d'ardeur parce que pour l'instant, évidemment, ils se sentent
bien bien protégé. Moi, je suis d'accord, mais à un moment donné, c'est destiné, hein. C'est destiné que certaines passions, il y a certaines ardeurs, tout, c'est destiné qu'on apprenne des choses. Mais eux ne veulent pas être dépossédés de ça. Vous voyez, là, la pie, on ne veut pas que les informations soient données. C'est comme si, alors là, ça ne regarde personne, et puis c'est moi qui commande, etc. Y a-t-il des projets de justice? On va aller voir. N'empêche que là, le bien-être à l'Élysée, hein, au château, on va dire, hein, c'est plutôt à l'envers la carte, hein, c'est plutôt à l'envers. Et ils sont maintenant, c'est comme si ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein, ils sont enchaînés. Les langues vont se délier. Ben ça, les langues, on va en apprendre des choses, hein. Nous allons en apprendre des choses. Hein, hein, le moment viendra où nous apprendrons certaines choses. Hein, comment vous dire? Je le ressens depuis le début, je l'ai dit depuis le début, ces deux-là sont indissociables. Indissociables. Bien. Ici, je vais mettre une carte. Oui, donc, oui, ils veulent rétablir la vérité à propos de cette femme qui a de très beaux cheveux aussi. Vous remarquez ici? Oh my God. Ouais, la chance tourne quand même, hein. La chance tourne, hein. La carte est à l'envers, hein. Ça peut représenter également, attention, ça peut représenter pas nécessairement que le pouvoir en place, ça peut représenter également Madame Ray, ici. C'est une question de temps, mais la chance, oui, enfin. Enfin, la justice pour cette personne, ça peut vouloir dire ça également. Voyez que la justice va être enfin rendue pour cette personne qui, selon moi, ressemblerait davantage à cette Natacha Ray, selon moi, ressemble davantage à cette belle personne que l'asticote blonde. Enfin bref, en tout cas, à un moment donné, la chance, hein, d'accord, la chance va être là. Elle sera bien contente, si autant vous dire qu'elle sera bien contente. Voilà. Bah oui, parce que regardez, c'est une révélation. La reconnaissance, la récompense sur les révélations. Ouais, bah écoutez, les gars, vous êtes dans le caca un petit peu. Et ça va apaiser cette dame. Je parle de Natacha, je parle pas de la blondasse. Enfin de comment s'appelle-t-elle? L'asticote. Donc. Je parle pas de la belle blonde, parce que blondasse, c'est un terme qui est pas gentil du tout. Alors sachez-le bien, messieurs, dames, en toute honnêteté, je n'ai rien contre les blondes. Parce que moi, mes cheveux, à un moment donné, ils ont eu cette couleur, parce que j'ai choisi. C'est pas ma couleur d'origine. Et voilà. Mais par rapport à la personne, l'asticote, c'est vrai que j'ai pas des termes très élogieux. On va pas se mentir. Je dois absolument travailler cette dualité, moi. Ouais. En tout cas, ils font toujours comme si, hein, comme s'il se passe rien. Enfin, écoutez, moi, dans tout ça, vous dire qu'il va y avoir un procès, que ça va être le bordel, bah non, bah non. Je vois pas de nouvelles. Je sais pas, hein, si Natacha ou Amandine ont reçu des nouvelles, ont reçu une convoque, ont reçu un papier de manière officielle. Pour l'instant, je ne vois rien. Hein, la justice est évoquée, certes, mais je vois la justice, en tout cas l'équilibre, une justice qui sera rendue, et après la personne qui va obtenir satisfaction sera extrêmement contente. Mais je vous dis, c'est juste pour faire peur, c'est vraiment pour faire peur, hein. De toute façon, ils sont pas bien. Hein. Regardez-moi ça, ils sont déprimés, c'est perdu dans les pensées, c'est perdu. Et c'est vraiment les deux, hein, dont nous parlons. Hein. C'est ce couple, hein, c'est le couple du Gouv, ce couple asticoté, là, hein, les deux, là, qui sont complètement enchaînés, hein, d'ailleurs, hein, à tout ce qu'on va pouvoir dire sur eux. Quoi qu'ils fassent, ils peuvent lancer ils peuvent attenter comment dire, des trucs en justice ou je ne sais quoi, bah ça finit toujours de la même manière. On parle toujours d'eux et encore plus, et encore plus. C'est carrément l'effet inverse, hein, vous voyez.
Eh ben voilà, hein, quand je parle du loup, eh ben on y voit la queue. Hein. Bon, alors de quel loup parle-je? Parce que là, quand je parle du loup, on y voit la queue, c'est très drôle. Mais sans jeu de mots, de quel loup parle-t-on? Voilà. Donc l'histoire, c'est qu'il est là. Hein. Là, bah, autant vous dire qu'ils sont pas bien du tout. Hein. Pas bien. Regardez comme ils sont mauvais. Bah, il se passe pas grand-chose hein, par rapport à cette mise en place de machin. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous dis que c'est de l'esbrouf, je vous dis que c'est juste une communication pour faire peur à ces gens qui souhaiteraient s'intéresser un petit peu trop près à cette histoire. C'est l'exemple. Il y a eu Natacha, maintenant il y a eu ce monsieur-là, Eric Verhaegh, mais concrètement, n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Ici, si on avait cette notion de justice avec des papiers, des démarches, une officialisation, on se dirait, bon, ok, ça va aller à un terme de quelque chose, mais il n'y a rien. Vous voyez, c'est ces papiers-là dont je vous parle. Regardez l'Union qui en porte plein le dos. Voilà, c'est ça dont je parlais. Vous voyez, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, ils peuvent pas se permettre. Regardez, ils ne peuvent pas se permettre. Il y a des obstacles. Les messages, c'est pareil. C'est, vous voyez, s'il y avait eu ici au niveau de la justice ça, s'il y avait eu ça, hein, du courrier, des démarches, des OK, j'aurais dit OK, là c'est pas du fake, ça va être convoqué, ça va passer devant la justice, ça va être débattu. Mais là, on voit juste que l'équilibre va être retrouvé. Pour moi, effet d'annonce, il y a rien. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien, je sais pas. Ou alors ils vont mettre 10 ans avant de se réveiller. N'empêche, bon, ils sont là. Hein. Eux sont ici. Hein. Eux sont ici. Selon moi, ici, c'est Madame Ray qui est vraiment partagée, protégée. Et puis là, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. C'est l'objet de mon tirage, en fait. Hein. C'est vraiment pour faire peur aux gens, hein. Ceux qui s'approchent un petit peu trop. Un jour, je vais peut-être finir au Newf, hein, qui sait. Hein. Bah, bah, vous viendrez me voir. Ah, les 9 de cœur. Les 11, pardon. Les 11 de cœur, Frédéric. Monsieur, messieurs, mesdames, Frédéric Barbet, incroyable ce monsieur. Donc, écoutez, que vous dire de plus que là, c'est un effet d'annonce, hein. Il n'y a pas grand-chose. Les faits vont pas être réellement suivis par des actes, en fait. Hein. Enfin, pas les faits, les dires, hein, ou l'annonce, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais ça va pas être beaucoup, beaucoup suivi d'actes. Hein. N'empêche que cette personne, qui selon moi est Madame Ray, à un moment donné, oui, la chance va venir. Bon, la carte est à l'envers. Donc, il va falloir un petit peu de temps, mais eux vont en prendre beaucoup, beaucoup, énormément. Donc, vous dire que là, on va entendre parler de ce procès, on va pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, dans mon tirage, non. Par contre, eux, ils sont pas contents. Hein. la famille Schwarzkopf ou la famille Mumuth, hein, Jean-Louis David, oh, non, peut-être pas des noms connus, parce que bon, mais en tout cas, waouh, hein, Tata Yo-Yo, qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Ah, vous trouvez pas que c'est un super nom, ça, Tata Yo-Yo? Ta-ta yo-yo, qu'est-ce que t'as sous ta grande perruque? Ta-ta yo-yo. On a même entendu Eunuque. Non, oubliez cette chanson. Comment dire? Donc, on est parti sur le coup qu'ici, bah, ils sont pas bien du tout. Hein. Ils sont enchaînés, ils sont. Ça les rend dingues, hein, par contre, hein, ça les rend dingues. J'espère que je ne serai pas malade après ce tirage, comme d'habitude, hein, quand on évoque ces gens. Il faut quelques jours pour s'en remettre. Hein, ouais, et bah, oui, quand on joue avec les énergies négatives, c'est quand on les ressent en plus. Voilà. Donc, bah, écoutez, un apaisement. Mais je vous le dis, il y a un apaisement, ce truc-là. Moi, je regarde les cartes, les mots ici, c'est calme. Ouais, ça a été un. Oui, vous allez voir ce qui va se passer. Ouais. Ça va remonter, ça va retomber comme c'est monté. Hein. C'est. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Dos de deck, récompense. Récompense pour qui? Je vais poser directement une petite question. Hein? Voilà. Oh, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, messieurs, dames. On va. Trois cartes. Bah voilà, j'allais dire trois cartes pour Natacha Ray. Trois cartes. C'est pas tout de suite, c'est à l'envers. La récompense. La félicité. Hein, voyez, hop. Très bonne carte. Hein, la félicité, les honneurs. Trois cartes, simplement.
dans les négociations. Même si c'est pas facile, attention, hein. C'est pas facile quand même, attention, hein. Ils font tout, hein, de toute façon, hein. Ils font tout pour l'enchaîner, ils font tout pour qu'elle garde ce boulet au pied, hein. Mais même les négociations, les communications. Pff. Ouais, quand même danger, hein. Regardez, tout à l'heure je vous ai dit que cette carte pour moi m'évoquait Madame Ray, Natacha Ray. Donc là, bah, sur ce coup-là, quand même, on a les honneurs pour elle, hein. N'empêche que bon, pas facile, hein. Je vous garantis que ça devait pas être, ou ça ne doit pas être tous les jours dimanche, hein, parce que là, je vois, hein, par rapport à tous ses écrits, tout ce qu'elle a révélé, wow, pas facile, hein, pas facile, hein. Je peux garantir que des obstacles, elle en a eu, mais alors plein les dents, même cette mise en danger, hein, quelque part, hein, c'est, moi je vous dis, hein, c'est tout sauf facile, hein, ce que vit cette dame, hein. Waouh, ça c'est cool. Là, quand même, hein, quand même. Hein, pour Natacha Ray, puisque la question c'était par rapport à Natacha Ray, les premières cartes, c'est ça. Hein, les choses vont rentrer dans l'ordre, elle va être très contente, et puis bon, bah, tout va suivre, hein, tout va être très très abondant. Par contre, là, c'est vrai qu'ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues, hein, pour certaines révélations, même pour certaines négociations, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, évidemment que tout ça, c'est vraiment pour mettre des bâtons dans les roues. Hein, c'est rien d'autre. Hein, mais quand je vous dis que ça va retomber comme c'est monté. Regardez. Là, on cherche juste à faire des effets de style. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez voir. Vous allez être convoqué, puisque c'est ça. On vous fout des bâtons dans les roues. Et vous allez nous foutre la paix. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Remarquez quand même qu'ils sont, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Le boulet enchaîné qui peut les mettre en danger. Hein. Ça peut vraiment les mettre en danger. Hein. D'accord? Même là, s'ils font semblant d'être, youhou, c'est nous qui maîtrisons. Vous nous faites chier. On vous envoie les chiens. Ils sont pas si bien que ça, les gens. Hein. Pas si bien que ça. Ok. Et bah dites donc, c'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais. Concrètement, ce n'était que des. Moi, je reste même intimement convaincue qu'il y a. Je peux me tromper, attention. Hein. Encore une fois, hein, vous le savez, hein, je le dis souvent. J'ai même pas l'impression qu'il y ait des choses très officielles qui soient en place, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses, des courriers, des officialisations de ceci, de cela, et t'as fait ci. Alors, ça prend peut-être un certain temps. En tout cas, ici, à pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... J'ai pas ce sentiment qu'il y a des choses officielles. Des papiers, des ceci, des cela. Allez, on va finir sur le avec le yin et le yang. Parce que là, je pense que, pff, comme d'habitude, hein, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est pour faire peur. Faut pas énerver l'asticote blonde. Comme d'habitude. Voilà. Voyez ce dont ils ont peur? Des révélations. Ah bah là, voilà, clairement. Ils ont duel, justice quand même, attention, hein, d'accord? On l'a quand même ici, on l'a quand même. Examen qui condamne, qui m'a. Mais j'ai envie de vous dire, là, le message que j'ai re... que je... que, ouais, que j'ai reçu, on va dire, on va employer ce terme. J'ai envie de vous dire qu'il y ait ou pas cette nouvelle procédure. justice qui condamne, quoi. Elle va condamner qui, cette justice? C'est à cause de ces révélations, ces aveux. Ils veulent faire peur, en fait, hein. Il n'y a pas grand-chose d'établi, c'est un peu le bordel, hein, je ne vais pas vous le mentir. Hein, c'est, on va dire qu'on fait ça, on voit après. Ah les gars, ça vous va? Ouais, allez, votez. Hein, votez, on y va. On y va. Trahison d'un ami. C'est pour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours par rapport à ces révélations qui peuvent être apportées, ces déclarations qui sont dans le but de dévoiler. En fait, j'ai l'impression que maintenant, pour faire taire, c'est je vous préviens.
Vous l'ouvrez, vous faites des révélations, c'est la justice qui vous attend. Et je vous garantis que ça va être comme ça. Il y aura blâme, il y aura jugement, il y aura n'importe quoi, et ceci et cela. Parce que là, on en a un petit peu marre. Mais il y a beaucoup d'appréhension derrière. Hein. Il y a la prudence, il y a les craintes, il y a les angoisses. C'est vraiment ça qu'ils veulent dire. J'ai beau tenter de chercher, de creuser, d'aller au-delà. C'est juste pour faire comprendre aux gens, le premier qui l'ouvre encore, c'est Ounouf qui finit. Ok, parce que là, ça commence à trop creuser. Et quand ça creuse trop, bah, plus on creuse, plus on trouve, en fait. Hein. Hein, vous voyez, puis plus on élargit ses recherches, hein, quand on a un petit peu cette âme de Sherlock Holmes, bah, ça leur plaît pas. Bah, évidemment que non. Parce que le but de dévoiler, c'est sûr, mais c'est le jugement, c'est la condamnation. Vous voyez, c'est... Bon, pour moi, je peux, encore une fois, hein, attention. Hein. Procès, litige, on est quand même là-dedans. Hein. Là, on est dans ces... Vous voyez, là, c'est différent du premier tirage. C'est... attention, si tu fais... c'est toujours la même chose, hein, je tourne en rond. Si tu fais la moindre révélation, les moindres déclarations, si tu dévoiles ces procès, litiges, je te jure que ça va chier. Hein. C'est ça. C'est juste ça qu'ils veulent transmettre. C'est de la propa. Et de la grande propagande. Ok. Grande contrariété. La haine, etc. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Parce que je vous jure, hein, moi, je crois vraiment pas que ce soit Madame Natacha Ray qui est dans une grande contrariété, dans une haine. Non, elle a qu'une envie, elle. Hein, c'est que justice soit faite. C'est que les choses soient dites, entendues, révélées et de manière factuelle. Donc, bah c'est leur plus grande peur. Hein. Ils sont mauvais. Mauvais, 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 mauvais. Parce qu'ils savent très bien que même si tout ça allait vraiment en justice, si on passait... mais ils sont dans la merde. Il y a beaucoup de contrariétés même par rapport à cette notion de justice qui condamne. Comme je vous disais tout à l'heure, mais elle va condamner. Oui, mais qui ? Et eux, ils sont pas en mesure d'affronter ça. Vous voyez, c'est bien pour ça qu'ils sont très colères. Donc la seule arme qu'il leur reste, c'est de faire peur en disant le premier qui creuse, oh Newf, c'est tout. C'est un peu plus loin que ça. Selon moi, selon moi. Oh holé. Voilà. Quand tout à l'heure je vous disais. C'est qu'un effet d'annonce, je sais pas quoi. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Hein. Dos de deck, répartition équitable, héritage, etc. Passif ou passivité obscure. Bon, bah, l'héritage, c'est moins qu'on puisse dire que c'est obscur. Vous voyez, quand on va un petit peu au-delà de la lecture et qu'on se projette, qu'on essaye de chercher par un moyen détourné, hein, en tout cas une traduction différente, là, on se rend bien compte que quelque part, même si eux, se retrouver face à la justice, il serait bien dans la merde, sur ce coup-là. Et c'est bien ça qui provoque, qui génère toute cette haine, parce que pour eux, bien entendu, c'est une trahison, c'est une angoisse, c'est une appréhension. Et vous voyez, quand je vois la nouvelle, l'annonce, ou l'avertissement, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Si vous nous emmerdez, vous irez en justice, mais je vous garantis que eux-mêmes, au milieu d'y aller... C'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Parce que là, par rapport à l'héritage, c'est relativement obscur, pardon. La carte était mal posée. Donc, Natacha Ray, si vous m'entendez, je sais pas ce qu'ils vont mettre en place, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui passe ici, c'est que de... C'est pour faire peur, en fait. Hein. C'est de la menace. Voilà. Je cherchais le mot... Selon moi, nous sommes face à une menace. Ira-t-elle à son terme? Je ne pense pas, parce que ça leur créait de gros et de graves désagréments. Donc, pour moi, ça ne reste qu'au stade de la menace. Hein? En tout cas, tout de suite maintenant, vous dire « Oui, il y aura jugement !»« Oui, c'est... » Je crois pas. Hein? Je crois pas. Hein? En tout cas, pas tout de suite. Hein? C'est des menaces, c'est des avertissements, c'est... Oui, perte, vol, honte, corruption. Bon, clairement ici, je vous préviens, vous faites des révélations, vous faites des aveux, je vous garantis ces procès, litiges, machin. Attention, par contre, il y a quand même de la honte, de la corruption, du libertinage.
Voilà. Les remords. Je vous promets que si, franchement, ça doit aller jusqu'à cette nouvelle procédure, manifestement, qu'ils souhaitent mettre en place, ils ont tout à perdre. Ils ont vraiment tout à perdre. Bon, mais écoutez. Écoutez, messieurs, dames, voilà moi ce que je peux vous dire quant à cette nouvelle annonce de, je sais plus, hein, de procédure, mise en examen, diffamation. Je dois avouer, j'ai pas eu le temps de m'intéresser réellement au sujet, hein, vraiment. Donc j'ai juste vu Amandine Roy qui l'évoquait et j'ai écouté ça 5 minutes parce que moi-même, je suis pas mal occupée. Alors, je vais finir hein, pour le petit message. Moi, c'est important pour moi. Hein, vous le savez, si vous n'avez pas compris, c'est ma manière à moi de vous informer et de résister hein, face à ces événements hein, qui sont. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Ces événements qui sont insupportables, hein, mais que nous devons vivre, hein, évidemment. C'est cadeau, hein, malgré tout. Même si c'est compliqué, même si c'est lourd, aujourd'hui, ça reste quand même un cadeau afin de nous révéler de manière individuelle pour pouvoir œuvrer correctement pour le collectif. Donc, ça, c'est une certitude. Et ça, faut pas l'oublier, même moi. Même moi. Mais quelquefois, il y a des jours qui sont plus difficiles. Bien! On repart sur quoi? Ouais, je voulais la petite mission de vie. Moi, je veux un message positif. Réellement, je veux un petit message positif pour Madame Natacha Ray, que je soutiens énormément, que je soutiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, s'il le faut, tiens, je vais faire un petit message de soutien. Donc, mission de vie et le petit oracle des anges. Et encore, merci à toi, Valérie, parce que là, franchement, j'ai mon tapis que je surkiffe. Merci à toi, Paulette. Regarde, pour la fille de l'air, j'adore. Merci mon scriptir de Marie qui m'a mis Love You Nina. Et puis, merci à tous, tout simplement. Merci d'être vous. Merci de me suivre. Et encore une fois, merci à tous. Natacha, petit message de soutien pour toi. Ou pour vous. Hein. Mais on se dit tu maintenant, de manière générale, ma communauté, voyance privée, on se dit tous tu. Hop, hop, hop. Message de soutien. Message de soutien. Allez, une petite carte, voilà, merci. Changement. Avec l'archange Michael, quand même, hein, sur ce coup-là, c'est bien, parce que l'archange Michael, c'est celui qui protège, qui défend et qui retire les obstacles. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, petit message donc pour Madame Ray. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Ouh, quand même, hein, quand même si c'est pas facile. Bon, bah, ça fait partie vraiment de ce que Madame, de ce que Natacha a choisi, hein, dans son incarnation. Mais les choses se mettent en place, les choses vont changer. Avec l'archange Michael qui dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, bah ça c'est déjà fun, hein, Natacha Ray, si vous m'entendez, ça c'est super fun. Si tu m'entends, on a dit qu'on se tutoyait tous, c'est super fun. Ensuite, mission de vie. Avec le double deck, hein, pareil. Waouh, je kiffe. Mission de vie pour Madame Natacha Ray. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes même pas la profondeur. Ça, j'en doute quand même, elle doit quand même savoir, hein. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Et la dernière, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées et tout vient à toi. Bon, eh bien écoutez, ça pourrait être un petit message de soutien. Moi, j'adore.
Donc, envoyez toutes vos ondes les plus positives à Natacha Ray. Et en tout cas, moi, je la soutiens dans sa lutte. Hein, parce que là, on est là-dessus. Hein, d'accord ? Et puis, tout plein de courage à elle. Tout plein de bonnes énergies, en tout cas. Et puis, ceux que ça gêne, ma prise de position, ma prise de parole, ma prise de... Eh bien, il y a tout plein de belles chaînes qui peuvent vous intéresser ailleurs. Voilà, hein, voilà, c'est tout. Comme j'aime à le dire, hein, moi, si j'aime pas les pâtes, je bouffe pas des pâtes, hein, c'est tout. Bref, messieurs, dames, à tous, je vous dis... Vous avez vu, j'ai sorti un petit peu, comme d'habitude, aujourd'hui j'ai sorti un petit peu la moumoute. Ça, je l'ai piqué à mon mari, messieurs, dames. Vous savez, c'est les grands trucs, là. J'ai dû vous en parler déjà, les trucs moumoute, là, un peu polaires, de bébé Yoda, hein, du Mandalorian, puisque c'est un fan, pas plus que moi. Hein. Moi, je suis largement plus que lui de Star Wars, évidemment. D'accord ? Donc, je vous dis à tous, d'accord ? Je viens juste de m'entendre, je me suis fait peur. Je vous dis à tous, à très 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 vite, à très bientôt. Encore une fois, les 11 de cœur, je vous ferai une spéciale dédicace à la prochaine vidéo. Dédicace aussi à Frédéric Barbet, hein, mon formateur, hein, pour devenir thérapeute, hein, en hypnose. À tous, je vous fais un kiss, kiss, kiss énorme. Merci de me suivre, c'est super gentil, il y a beaucoup de bienveillance et ça fait vraiment 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 plaisir. Gros bisous à tous, soyez heureux en famille, serrez-vous les coudes, hein. Serrez-vous les coudes, ça va devenir un peu compliqué, ça va secouer un petit peu. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao, c'était Nina, bye.